Qu'en êtes-vous? Connectez-vous la team. Je vous souhaite d'abord un excellent vendredi. Voilà. Que Papa God vous bénisse. Que Dieu vous protège. Voilà. J'ai déjà écrit mon titre. Le titre de mon live. Voilà, c'est là. Je ne vais pas être long. Mais je vais vous dire pourquoi les gens clashent Fleur de Lys. Voilà. Pourquoi les gens clashent Fleur de Lys. Je vais vous expliquer tout. Posément et calmement. Voilà. Pourquoi les gens clashent Fleur de Lys? Je vais vous expliquer tout posément et calmement parce que vous savez, la toile. ouais, j'attends que les gens se connaissent. Voilà. Donc, ici, je parle de Fleur de Lys. Voilà. Vous savez, je vous ai dit, je parle seulement des choses du Cameroun maintenant, voilà. Pourquoi les gens clashent Fleur de Lys? Je m'installe bien comme toujours, voilà. Pourquoi les gens clashent Fleur de Lys? Je vais vous expliquer ça petit à petit. Je vais vous expliquer ça pas à pas. Je vais d'abord vous dire bon vendredi à vous dans la paix du Christ. Que Dieu vous protège. Vous savez, ma team, ce n'est pas une team de clash. Ce n'est pas une team de dénigrement. Je ne dénigre pas mes compatriotes. Voilà. Donc, je vais d'abord bloquer le marabout là. Je ne dénigre pas mes compatriotes. Vous voyez, depuis que j'ai ma part, je ne suis jamais venue descendre les gens de mon pays. Parce que ça commence, la bonne charité commence par soi-même. Je donne un peu mon avis souvent sur des situations de la page. De mon pays. Donc, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous regardez les lives, oh Martine Ekoun, comment tu vas? Quand vous regardez les lives, regardez les lives avec intelligence, regardez les lives avec sagesse, regardez les lives en lisant le personnage. On ne regarde pas le live. Pour regarder. Regardez la façon que la personne est. La façon que la personne est, c'est là où tu lis ce que la personne dit là. Ce que la personne dit là. Qu'est-ce que ça signifie? Ne regardez pas les lives pour regarder. Je vous exhorte. Quand tu vas, moi, quand je vais sur un live, vous savez, je n'aime pas aller sur les lives. J'aime souvent revoir les diffusions là. Les rediffusions là, c'est ça que j'aime voir. Parce que quand je regarde la rediffusion, je suis assise calmement sur mon canapé ou dans ma chambre. Je me couche et je regarde. J'écoute les dits et je lis la personne. Vous comprenez? N'allez pas dans les lives avec émotion. N'allez pas dans les lives. Lisez la personne. Lisez la personne parce que façon la personne parle là. C'est façon là, vous savez que la personne... Assez. C'est comme ça que la personne a contre son ami. Donc, je vais vous expliquer pourquoi Fleur de Lys est... Je vais pas arrêter mon... J'avais mis le réveil parce que je dois travailler le soir. Donc, j'ai mis le réveil sur ma montre, sur un autre téléphone. Donc, vous voyez, on a tué. Donc,
Quand vous voyez, je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Pourquoi Fleur de Lys est clashée. Je ne fais pas des concerts comme vous pensez là. Je parle les choses de Martine du Cameroun. Je parle les vraies choses maintenant. Parce que vous là, quand je vous fais les concerts, vous n'êtes pas toujours là. Vous pensez que je vais tuer ma page avec vous. Donc je parle les choses de... Qui sont les choses... Fleur de Lys là, elle est clashée. Un, les catégories de personnes qui clashent Fleur de Lys, venez écouter. Un, il y a les jaloux. Deux, il y a les tribalistes. Je vous cite les catégories des gens qui clashent Fleur de Lys. Il y a les jaloux, il y a les tribalistes. Ah oui, il y a les tribalistes, il y a les jaloux qui clashent Fleur de Lys. Il y a les aide-moi à détester. Voilà, écoutez, les gens qui clashent Fleur de Lys, regardez-les. Vous allez lire, vous allez comprendre pourquoi elles clashent. Il y a les jaloux, il y a les aide-moi à détester, il y a les tribalistes. Et il y a aussi les rancuniers. En plus, tout ça, ça se base, tout leur clash là. Oui, ce sont les abeilles refoulées. Tout leur clash là se base seulement sur la monétisation. Donc, sur la page, les clashs que vous voyez que Flore en subit sur les réseaux sociaux, Martine et Koum, il y a des gens qui clashent Flore pour la jalousie, il y a des gens qui clashent Flore pour le tribalisme, il y a des gens qui clashent Flore pour le aide-moi à détester et les rancunes. Tout le monde qui clash Flore là ne vient pas clasher Flore avec un seul truc. Ils viennent Flore, chacun a son cœur. Moi, j'ai une team ici. Je ne peux pas venir clasher quelqu'un, insulter quelqu'un que je n'ai jamais fréquenté. Tu n'as jamais fréquenté quelqu'un. Comment tu vas t'asseoir pour parler de cette personne de cette manière que... Regardez leur live. J'ai vu leur live hier. Quand tu vois tout le monde qui clash leur là, il y a les tribalistes, il y a les rancuniers, il y a les jaloux et il y a les aide-moi à détester. Voilà les catégories qui clashent Flore là-bas. Et tous les gens, tout ce que je cite là, c'est basé sur la monétisation. Parce que Flore, c'est Poutine de la team camerounaise, vous comprenez. Je vais vous dire quelque chose. J'ai ma page ici. Je ne me vois pas. Parce que quand je vous parle des catégories là, parce que hein, tu ne t'assois pas avec colère pour clasher quelqu'un qui ne t'a rien fait, quelqu'un que tu n'as jamais marché avec, quelqu'un que tu ne peux pas t'asseoir, parler de cette personne, les choses-là viennent dans ton cœur, tu es tellement en rage. Ça veut dire qu'il y a la jalousie, il y a le tribalisme, il y a la jalousie, tribalisme, il y a les aide-moi à détester, il y a les rancunes. Donc chacun profite de cette situation pour venir faire les larmes et parler de Flore. Et ce qui me choque dans tout ça, vous voyez, non, Martine et Koum. Ce qui me choque dans tout ça, toutes les personnes de ces gens qui clashent Flore ne vont venir nous dire ce que Flore a fait pour elle de bien. Quand vous me voyez que hein, je regarde la team du Cameroun avec un œil, elles ne vont jamais venir te dire le bien que Flore a fait pour elle. Elles ne vont jamais, tout le monde que j'ai vu là, parler de Flore, tout le monde là, Flore lui a fait du bien dans la vie, mais elles ne viennent jamais, Martine et Koum, pour dire le bien que Flore les a fait. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis que vous qui suivez les bêtes femmes là, vous êtes bêtes. Parce que elles ne viennent pas nous dire, moi j'ai vu ici comment Flore a aidé les gens, Flore a soulevé les gens, Flore a lancé les gens, Flore même là a fait connaître les gens. Mais aujourd'hui là, comme ils ont des tribalismes dedans, les rancunes dedans, les jalousies dedans, et les aide-moi à détester, c'est ce que vous voyez là. Quand moi je ne peux pas m'asseoir ici, je commence à insulter quelqu'un, je n'ai jamais marché avec la personne. Personne n'a jamais été mon ami. La personne ne m'a jamais rien fait. Comment je vais avoir telle haine jusqu'à insulter, jusqu'à... Ça va venir comment? Je crois que quand tu t'assois sur ton bloc pour parler, insulter quelqu'un de telle manière en colère, ça veut dire que quelqu'un t'a fait du mal.
Mais quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu t'assois, tu transpires sur la personne, ça veut dire qu'il y a le tribalisme, la jalousie, les aide-moi à détester et les rancunes. Voilà le point que Flore est clashée. Flore est clashée, le tribalisme est dedans propre. C'est moi qui vous dis la rancune, la jalousie et le aide-moi à détester. Et des gens qui attendaient l'occasion. Mais tout ce que vous voyez là se base sur la monétisation. Parce qu'elles savent que si elles ne parlent pas de Flore, personne ne va les regarder. Elles savent ça. Que si elles ne parlent pas, elles ne clashent pas Flore, personne ne va les regarder. Personne ne sera là-bas. Donc comme elles ont vu que quand elles parlent de Flore, les gens sont là. C'est pourquoi vous les voyez persister, insister. Mais elles ne vont jamais venir nous dire que Flore m'a fait ceci de bien, Flore m'a aidé, Flore m'a... Nous, on a vu ça ici. On a vu comment Flore a lancé beaucoup de femmes. On a vu Maman Misunga, on a vu Flore, elle... Quand vous me voyez, j'ai dit que tous les gens là sont bêtes. Tout le monde qui parle mal de Flore, Flore les a lancés, mais elles ne peuvent pas venir nous dire le bien que Flore les a fait. Moi, je sais ce que Flore a fait pour ces femmes-là qui clashent pour aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez, je les regarde un œil. Je les regarde un œil. Parce qu'elles ne peuvent pas nous cacher tout le bien que Flore les a fait pour venir nous raconter les bobards, des histoires à dormir debout aujourd'hui. Tout le monde là a été lancé. Nous, on a vu ici. Moi, j'ai vu Maman Misunga. Elle recevait Flore dans sa maison. Elle disait, ma fille, ma fille. On a vu ça ici. Mais tout ce qu'elles vont venir nous dire aujourd'hui, tout ce qu'elles viennent nous dire aujourd'hui, c'est les barbaries. Il n'y a que les fous et les bêtes. Moi, je suis une femme sage et intelligente. Merci beaucoup, Marisa Mbari. Je suis une femme intelligente. Elles ont le gouman, comme tu dis, Aurel. C'est pourquoi vous voyez, ma team ici me demande, vous savez, ma team que vous voyez ici, les gens pensaient que j'étais ivoirienne. Les gens pensaient que j'étais ivoirienne. Oh, Sandy! Comment tu vas? Les gens pensaient que j'étais ivoirienne, la team. Parce que les gens disaient que, mais la femme, si elle ne parlait jamais les choses des clashs du Cameroun, elle n'est pas dedans. Ma page, là, vous voyez d'abord que c'est une page de Jésus-Christ. Dans ma page là, je ne suis pas là pour descendre qui que ce soit. Je regarde les choses avec la vision et je donne mon avis. Quand quelqu'un t'a fait du bien, il faut avouer que quelqu'un t'a fait du bien. Flore a aidé Maman Misunga. Je le dis comme elle a les grossièretés à la base des bassesses de sexe là. Moi, ce n'est pas mon niveau là-bas. Si c'est beauté là, je suis très belle. Donc, je dis qu'elle, elle appelait. Moi, j'ai vu, je vous parle toujours de ce que j'ai vu. Parce que moi, je ne suis amie avec personne. Oui, ce que j'ai vu, elle appelait Flore ma fille. Oui, oui, oui. Flore a même bien fait de mettre une vidéo sur sa page où elle a dit Jésus et Judas. Oui, elle appelait Flore ma fille. Quand Flore avait fait son anniversaire sur le bateau, ce n'est pas elle qui est partie prendre 5. Même Lolo Beauté avait envoyé 500 euros à Flore par elle, Maman Misunga, pour la soutenir. Oui, oui, oui. Donc, tous les gens que vous voyez clasher Flore là, c'est moi qui vous dis. Tous les gens là étaient derrière Flore pour la visibilité. Flore les a fait du bien, mais elle veut exposer la fille en mauvaise. Flore n'est jamais une mauvaise fille. C'est que les gens ont utilisé Flore. Et Flore de Lille a compris de nos jours que... Elle a compris de nos jours que je ne fabrique plus. C'est ça, vous voyez, elles sont en rage. Flore ne veut plus les fabriquer. Flore dit c'est une place, c'est ça qu'il est bata où vous voyez là. Moi je suis dans la vérité. Je ne peux pas croire en Dieu et venir parler le mensonge. Je parle ce que j'ai vu. Toutes les filles là, elles sont jalouses de Flore. Si on dit que quelqu'un gâte la toile là, Natacha de Monaco c'est la bordée de la terre. Elle nous a montré qu'on paye son compte là avec les cartes. Pourquoi vous ne parlez pas d'elle? Quelqu'un même qui vient en live pour dire qu'elle fait sa bordelerie avec les cartes, mais vous ne dites rien. Hein? Parce que toutes les filles qui clashent Flore là, hein? Toutes les filles qui clashent Flore là, c'est parce que Flore ne veut plus les fabriquer. Flore a changé. C'est moi qui vous dis que Flore a changé.
Flore a décidé de ne plus fabriquer quelqu'un. C'est pourquoi vous les voyez. Je vous dis qu'il y a le tribalisme dedans. Tribalisme dans les classes que vous voyez là sont pleines. Le tribalisme sur les gens qui clashent Flore, c'est ça qui est d'abord numéro un. Et c'est le numéro un des gens qui clashent Flore. C'est le tribalisme, la jalousie, les aide-moi à détester et la rancune. Mais tout le global là, c'est la visibilité. Elle mange sur le nom de Flore. Flore, voilà, Marie Zambari. Flore Delis ne veut plus les fabriquer. Voilà tout ce que Flore souffre aujourd'hui. C'est moi qui lui dis la vérité. Flore ne veut plus les fabriquer. C'est ça leur problème. Flore ne décide une place. La fille est maintenant, elle marche une place. Elle marche une place. C'est pourquoi vous voyez, tout le monde sort, les gens sortent avec les teintes sales, tout le monde sort avec les jamsans, tout le monde sort avec tout ce qui va avec pour venir clasher Flore. Les gens même qui clashent, quand elle les voit, ils disent, nah, wow. Ce n'est pas vous qui disiez ici que Flore, c'est pas Jésus. Oh, Flore, oh ma fille. Nous, on a vu ça ici. Hein, ma fille, oh, oh ma fille est là, oh, oh. On a vu ça ici. Donc, quelqu'un qui va venir me dire merci beaucoup et dit Ndjek. Quelqu'un qui va venir vous dire que Flore est ceci. Qu'elle nous dise aussi le bien que Flore a fait pour elle. C'est ça, Flavienne Coteau. Natacha de Monaco se prostitue sur la toile. Elle a les cartes, elle montre tout. Elle ne voit pas ça, elle saute pour aller sur Flore. C'est pourquoi je vous dis que là, ce qu'ils disaient sur Flore, là, c'est pas ça le but. C'est la jalousie, le tribalisme, les aide-moi à détester. Ouais. Donc, toutes les femmes que vous voyez là, c'est le aide-moi à détester. Qu'elles sont en train de faire. Pourquoi elles ne vous disent pas, elles ne s'assèrent pas pour dire le bien que Flore a fait pour elles. Elles ne vous disent pas le bien que Flore a fait pour elles. Elles ne vont jamais vous dire ça. Elles ne vont jamais vous dire, nous on sait que moi je sais. Si les autres veulent nier, moi j'ai vu. Mm-hmm. Flore a fait beaucoup pour les bêtes femmes là. Oui, 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 oui. Les saletés, les filles à la peau crasseuse. Oui, je le dis à haute voix, je suis très belle. Mm-hmm. Les filles même qui ont les formes qui sont mélangées, foutues même. Les seins, on ne sait même pas où sont les reins, où sont les fesses, où sont les reins. On a vu, tout le monde est mélangé là-bas. Regardez les gens qui clashent Flore. Vous n'allez pas voir une fille bien formée de vous comme moi là. Tout le monde est mélangé là-bas. Yeah. Il y a déjà cette jalousie là. Quand Flore porte une robe, ça la va. Tout ce qu'elle porte, elle est jolie avec. C'est bon. Je vous dis que la team de la Lionne officielle, merci. Quand vous voyez que je ne parle pas souvent les choses du Cameroun, c'est par rapport quand je regarde les merderies là. Je me dis, moi, je vais aller me mélanger avec ces rate-rate là. Les vendeuses de piments en live. Une femme normale s'assoit sur Internet, dit que je vends le piment. Et on parle du piment qui se vend en derrière. Même celle-même qui vend le piment à Mondial Vision, elle met les seins dehors, Natacha de Monaco. Elle-même aussi, elle clash Flore. C'est-à-dire, le monde est gâté. Elle-même là qui était venue sur les réseaux sociaux en nous disant, je crois qu'elle a fait son petit truc avec Marthe Chopard. Je crois que c'est Marthe Chopard qui l'avait même lancé. Parce qu'elle voulait monter sa maison, quand l'autre montait sa maison au Cameroun, voilà. C'est comme ça. Elle n'arrivait même pas à marcher avec les talons quand elle arrivait sur les réseaux sociaux. Elle faisait comme ça. Il fallait voir ses pieds. Elle aussi, une vendeuse de piments en live, en Mondial Vision, veut parler. Vous avez compris, c'est ça que vous dites que tout ce qui arrive à Flore là, c'est pas vente de piments. Flore n'a jamais été sur les réseaux sociaux donner des prix de vente de piments. Mais celle-même qui clash Flore, c'est une vendeuse de piments. Son compte a déjà porté tous les spermes des blancs. Elle vend, elle boit même tout, elle porte même dedans. Mais donc, vous voyez, non, la team.
C'est ça que je suis en train de vous dire, que tout ce qui arrive à Flore là, tous les blablabla que les gens là parlent là, c'est pas ça qui est la base. C'est la jalousie, le tribalisme, les aide-moi à détester et les rancunes. Des gens qui veulent s'infiltrer. Les gens voulaient dire des choses à Flore avant, mais ils sont seulement en train de profiter parce que Flore les dépasse à 100%. Elle mangeait derrière le nom de Flore. Elle mange derrière le nom de Flore. C'est pourquoi vous voyez, elle sent que quand tu clashes Flore là, les gens vont venir te regarder. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est pourquoi vous les voyez agripper sur la fille. Flore les a déjà, je vous dis que je les ai regardées toutes. Toutes les filles que j'ai vues sur les pages, c'est-à-dire, il y a les visages même que je ne savais pas que ça. Tout le monde est mélangé là-bas. Vous n'allez pas voir une femme droite là-bas comme moi, comme droite comme Flore de Lille que tu peux porter. C'est-à-dire saine. L'autre, Lolo Fodja, même je ne sais même pas comment elle s'informe. C'est-à-dire, elle, quand elle porte, tout est mélangé. Tout le monde que j'ai vu clasher Flore, moi je n'ai rien vu là-bas. Oui. Disons-nous la vérité. Je ne suis pas venu ici pour descendre mes frères camerounais, mais j'ai pris le temps d'écouter les larmes des gens qui clashent Flore. C'est des gens que Flore a aidé. Donc, elle ne nous raconte pas des ragots. Flore a décidé une place. Elle a déjà dit une place. C'est de ça qu'il s'agit. Flore a dit qu'elle est une place. Elle ne fabrique plus les... Comme elle dit souvent, donneuse de walk. Elle va leur donner le walk, la propre. Elles vont walk. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien en face, comme tu dis, la lionne officielle. Tu les vois même leur forme là. Quand elles disent qu'elles s'habillent, maman, quand elles disent qu'elles s'habillent là, tu vois même habillement, l'autre porte pas. C'est-à-dire, les... maman, tout est mélangé. Quand j'ai vu toutes les femmes là, j'ai pris mon temps, j'ai commencé à regarder les vidéos des femmes qui clashent fort. Je me suis dit, mais dis donc, vous savez, je ne les regarde pas. Je ne vous manque pas, je ne suis pas Natacha de Monaco. Je ne les suis pas. Je suis allée chez quelqu'un qui a partagé ma vidéo. J'ai vu toutes les vidéos des gens qui clashent Flore. C'est là où je dis, ah, donc tout ça c'est dedans. Je regarde l'autre là-bas, je ne vois rien de bon. La team, je ne vous manque pas. Je n'ai rien vu de bon sur les gens qui clashent Flore. Si je voyais quelque chose de waouh, là j'allais vous dire que franchement c'est waouh. Tout le monde qui clashe Flore là-bas, tout le monde là-bas, c'est la merde. Même Élise Battant, c'est une mélangeur. Celle même que l'autre a doigté. Nous, on a déjà vu ici. Son mariage était dans les coulisses avec les veuves joyeuses. Un mariage qui n'avait ni queue ni tête. Quand les gens parlent, moi j'ai vu tous les gens là, la team. Quand je les ai regardés comme ça, j'ai dit la terre, c'est vraiment la terre ici. C'est tout le monde qui va venir parler. Parce que la bouche. Parce que tu as internet, tu vas venir parler, mais je n'ai vu une femme qui dépasse Flore là-bas. Hein? Franchement, je n'ai pas vu une femme là-bas que tu regardes de la tête aux pieds. Elle vaut Flore. Flore porte tout. Ce qui est sûr, c'est ça. Quand elle porte robe, robe là-même, c'est joli avec elle. Oui. Tout le monde qui classe Flore, c'est des femmes mélangées. C'est-à-dire, aucun goût. Aucun goût. Disons-nous la vérité, aucun goût, il y a quoi en face. Qu'elle vient nous dire ce que Flore les a fait du bien. Elle ne va pas seulement nous dire Flore est ceci, Flore ceci. On s'emballe de ça. Donc, Flore est clashée parce qu'il y a les jaloux, les tribalistes, les rancuniers et tous les aides-moi à détester. Voilà les causes pourquoi Flore est clashée. Elles ont fait une team. Quand tu regardes même leur team, je vous dis que je suis allée sur une page là, j'ai vu toutes les vidéos, j'étais là, waouh! Je regardais tout le monde qui clashait Flore, les gens transpirent. Quelqu'un à l'aise dans, Flore est à l'aise dans ces choses, toi tu transpires derrière le live. Elles sont en train de transpirer, j'ai jamais vu la team. Je veux transpirer comme ça si c'est ma mère qu'on a, si quelqu'un fait du mal à ma mère ou mes enfants. Ou mon père, là je peux transpirer comme ça. Tu transpires, elle transpire sur une femme qu'elle ne connaisse ni d'Adam ni d'Ève. Petite relation qu'elles ont fait là. Elle transpire sur les larmes latines. C'est-à-dire, quand je vois comment les femmes transpirent sur Flore, je me demande, na waouh, il n'y a pas d'autre boulot à faire sur les réseaux sociaux.
Les gens vont transpirer sur flore comme ça pendant combien de temps? Je vous dis que elle transpire. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut me faire transpirer sur un live de telle manière. Elle transpire comme... Yeah, mon Dieu. Et quand tu regardes leur goût, les gens là-même, je dis, nawao, nawao. J'attends qu'elle me clash. Elles vont me clasher, elles vont dire, comment je suis belle, hein. Toutes les femmes, là, elles ne trempent pas. J'ai joli corps, même joli visage. Donc, tout là, quand elle est la team là, c'est la team des merderons. Oui. Donc, moi, je les ai vus. Je n'ai vu personne qui vaut flore là-bas, la team. Vous allez m'excuser. Je ne suis pas là pour les dessins, mais quand même, quand tu vois les gens transpirer sur les vidéos, il faut d'abord qu'elles nous montrent leur vie de merde. Elles sont clouées dans des petits studios avec des hommes disant qu'elles sont en couple. Elles ont des maris. Quand tu as un mari et que tu as un homme, tu vis avec un homme, tu ne vis plus dans des petits appartements cloués à deux clous. Tu dois être dans une maison comme la mienne, 130 mètres carrés, achetée. Elle dit qu'elle vit avec les hommes, c'est elles qui sont encore clouées dans des petits appartements à deux places. Tu ne sais même pas, il n'y a pas de l'espace. Toi, tu, elles sont à deux. J'espère que quand on vit déjà avec un homme, on doit habiter une maison de 150 mètres carrés. Oui. Tout le monde qui parle de flore la latine, beaucoup vivent dans les HLM. Les HLM, comment? Les trucs des aides là. Je les ai vus. J'étais dépassée, il faut les voir. L'autre, j'ai dit, Seigneur, sauve-les, oh Seigneur, oh, calme la jalousie. La jalousie va les ronger quand tu les vois dans les lives. Tu vois une jalousie, une haine en elle. Tu vois, tu vis les serrées là. Tu vois une jalousie en elle, la team. C'est-à-dire, je n'ai jamais compris ça. Hein, Michel, grâce. Tu vois la jalousie. La jalousie qu'elles ont sur Flore. Je ne sais pas comment je peux m'asseoir sur un bloc. Commencer à transpirer sur quelqu'un que je ne connais pas. Je ne sais pas. Peut-être moi, je vois les choses mal et la team. Je ne sais pas comment je vais aller soulever quelqu'un qui ne m'a... Quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je commence à transpirer sur la personne, sur mon live. Je dis qu'elle transpire. Elle tremble même. Comme compresseur avait dit que j'étais vu trembler dans mon live. Maman, tu vas aller avoir AVC. Pour quelqu'un qui s'en fout de toi. Flore est dans ses voyages et tout. Elle ne les gère même pas. Elles sont encore dans des... gratter les papiers. Flore, la nationalité. C'est ça qui les choque. Surtout la nationalité de Flore. Vous savez qu'elle, moins d'erreurs, elle soulève la nationalité. Moins d'erreurs, elle a déjà soulevé. C'est ça qui les choque. Voyager, alors on voit. Voilà les causes pourquoi Flore de Lille est clashée. Les tribalistes sont là. Les jaloux sont là. Vous comprenez? Et sans oublier les aide-moi à détester et les rancuniers. Mais tous sont là pour la monétisation. Sans flore là, elles ne vont jamais manger. Elles vont rouler. Elles disent, si on veut manger, c'est le nom de flore. Quand on clash flore, on mange. Pourquoi vous les clashez? Elles clash flore parce qu'elles savent qu'elles... Si elle parle du bien de Flore, voilà Coco Lago là-bas. Au départ, elle avait la visibilité. Voilà Coco Gang. Oh là 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 là. Hein, salut Africa Capella. Oh là Coco Gang. Oh là 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 là. Là voilà aujourd'hui, elle fait live. C'est un vu. Hé maman. Oui, Flore l'a nourri. Flore l'a nourri, prof. C'est ce que j'ai dit. Tout ce que vous voulez voir faire là, c'est la monétisation. Il n'y a rien d'autre, les étoiles, c'est la monétisation, c'est ça là-bas. Parce qu'elles savent que sur la toile, si tu veux avoir la visibilité, viens seulement insulter Flore. Viens seulement insulter Flore, tu as la visibilité. Mais moi, je ne veux pas chercher ce genre de visibilité-là. Ah, Doudou, c'est l'autre là, elle, c'est pas une femme, hein, celle-là. Ouh, hein. C'est pas une femme. Elle, je ne la considère même pas comme une femme. Tellement. Elle est trop
C'est-à-dire, elle n'a aucune forme, même ses enfants, il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Elle n'a pas de goût, elle. Elle n'a vraiment pas de goût. Franchement, elle n'a pas de goût. Franchement. Donc, si c'est Doudou là, l'autre là, c'est, il n'y a pas de goût là-bas. Il n'y a même pas un brin d'esthétique en elle. C'est-à-dire, même ces misunga là, je ne peux pas manger ça. Mm-mm. Il n'y a pas un brin d'esthétique en cette dame. Et la preuve, vous voyez même sur sa fille, voilà. Pas d'esthétique. C'est-à-dire, pas de elle n'a pas d'esthétique. Elle a. Tout est mélangé. Elle est sur la toile. C'est Flore qui les a lancés. C'est ce qui me fait mal. Flore les a tous lancés. Et maintenant, elle ne peut pas nous dire. Elle ne peut pas dire merci à Dieu. Voilà. Quand vous voyez que moi, je n'ai pas d'amis sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez que je n'ai pas l'ami sur les réseaux sociaux latins, quand je vous ai dit, Africa Capella, quand tu regardes les femmes là, elles sont mélangées, elles ont la haine. Tu vas aller faire la haine à quelqu'un que Dieu a déjà béni. Quand elle a béni Flore depuis, vous allez voir, elle dit, Wata là-bas, celle-là, c'est le saint seulement qu'elle a refait là. Tout est mélangé. Fukata, elle n'a rien de forme même en elle. Tout le monde sort sur l'Africa. Tout le monde que vous voyez là-bas, si ce n'est le jam sang, c'est mélangé. Tout le monde est gratté, la peau est déjà rouillée de décapage. Tout est rouillé là-bas. Tout. Les réseaux sociaux, les gens sont là pour manger derrière Flore. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'aime les gens honnêtes. Quand quelqu'un t'a aidé, dis quand même que la personne m'a aidé. Au lieu de venir nous montrer que le mauvais côté de la personne, j'ai les mauvais côtés, les bons, mais tu ne viens pas dans ma vie pour venir raconter. Le choquant, c'est que les gens même qui n'ont jamais marché avec Flore Clash Flore. C'est comme ça que j'ai remarqué de la team des Camerounais. Quelqu'un ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il s'assoit, il transpire sur toi jusqu'à transpirer. C'est là où eux, ils m'ont déjà gagné. Donc, une haine qui arrive déjà à ce côté-là, la team, comprenez que ce n'est plus la haine, c'est la sorcellerie plus. Quand la jalousie est déjà plus, ça devient la sorcellerie. C'est ce que vous voyez chez les Camerounais. Vous les voyez transpirer. Comment je vais venir m'asseoir sur mon bloc ici? Je commence à transpirer sur Flore. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je vais transpirer qu'elles m'ont fait quoi? Je vais transpirer qu'elles m'ont fait quoi? Moi, je ne fais pas les aide-moi à détester des réseaux sociaux. Je ne suis pas dans les aide-moi à détester. Parce que sur ma team ici, vous comprenez la team. Je suis honnête. Martin Chopin, là, c'est ma personne. Vous comprenez? Mais quand elle a eu ce problème avec toi, je ne me mêle pas. Je ne me mêle pas. Parce que je ne suis pas dans les choses de aide-moi à détester. Elle gère ses problèmes avec toi, une place là-bas. Je ne me mêle pas parce que les gens ont cru ici que moi je vais venir parler de Flore. Je ne me mêle pas sur ce qui ne me regarde pas. Quand tu cherches les problèmes, tu trouves. Moi, je ne suis pas dedans pour venir parler de conneries. Je ne me mélange pas dans les situations. Je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Parce que les gens ont cru ici quand Flore de Lille, les matchs ont commencé. Ils ont eu leur amitié. Pourquoi je vais mettre ma bouche sur ça? Moi, je vais venir me mélanger à ça pour défendre qui? Défendre Flore ou bien défendre Mate Chopin. Elle ne défend entre Mate Chopin et Flore là. Je ne me mêle pas. Parce que Mate Chopin était ici chez moi. Vous savez, elle a voyagé l'année en avril là. C'est moi qui l'avais invitée à aller sur sa. Elle a dit qu'elle partait chez sa soeur. C'était chez moi. Mais quand elle a ses problèmes avec Flore, je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas parce que je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Je vais venir m'asseoir ici. Parce que je connais Marc, et puis je vais venir insulter Flore, que moi je vais l'insulter, qu'elle m'a fait quoi? Moi je ne suis pas dedans, hein? Je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Chacun gère ses problèmes, une place. Oui. Chacun gère ses problèmes, une place. Parce que j'ai vu des gens venir dire, oh, ta personne clash avec Flore là-bas. Moi je m'en fous. Vous avez voulu que je dise quoi sur ça? Moi-même je savais que Flore allait sortir. Parce que quand Matt était sorti, quand il y avait le problème de Kouetou là, elle a fait un lab. Moi-même, je savais que ça a commencé. J'avais vu le lab de ma soeur Matt.
J'avais bien vu qu'elle était sortie sur Flore. Moi, je suis pas dans le aide-moi de tes seins. Je sais comment les choses commencent. Si elle n'était pas sortie sur la vidéo là, ça n'allait pas arriver la réplique de Flore. Voilà. Il faut savoir, avant de prendre le parti, même si c'est ton fils, même si c'est ton enfant, réfléchis d'abord avant de prendre le côté de ton enfant. Oui. Parce que le jour, les gens sont venus me dire ici, oh, Flore a clashé ta personne, Chopa, Flore a clashé Chopa. J'ai dit, ne me mélangez pas, oh. Parce que moi, là, j'avais vu quand Chopa était sorti faire une vidéo quand il y avait Coco Kouetou, Marte, là. Elle est sortie et j'ai dit, la réplique va arriver. Je savais qu'une réplique va arriver. Quand la réplique arrive, tu assumes, non? Voilà. Donc, les gens qui ont voulu ici que je me mette dans quoi? Je me mets dans quoi? Elles sont venues m'éternuer ça. Je m'en fous parce que moi, j'avais vu quand Marc était sortie. Elle n'était pas obligée. Je ne vous mens pas. Elle n'était pas obligée de sortir sur la paix Coco Kouetou et Flore parce qu'elle, ça ne la regardait pas. Faut être honnête dans la vie. J'ai vu comment elle est sortie. Elle ne fait pas souvent les larmes hein, parce que c'est une femme qui n'aime pas les larmes. Mais le jour-là, elle a quand même parlé. Et j'étais calme. J'ai suivi, j'ai vu. Et puis, je suis restée calme. Quand la réplique est arrivée, vous venez me dire que oui, telle a caché. Vous avez voulu que je dise quoi? Si elle était restée calme dans son coin, faire ses choses comme d'habitude, est-ce que la réplique allait sortir? Non. Et déjà, elle-même, je ne vous mens pas, elle m'avait déjà dit que Flore et elle sont des amis depuis. Donc, quand les gens ont été amis depuis là, moi, je vais aller parler de quoi là-bas? Elle a dit, sois honnête dans la vie, non? Elle-même, elle était ici chez moi, Marthe était ici chez moi, je l'avais invitée ici, j'ai acheté son billet d'avion, tout, elle est venue me voir. Elle avait même mis ça sur sa page que je vais chez ma soeur d'Amar. Et puis, elle est arrivée ici, elle m'a dit que Flore était son amie. Et puis, quand les gens sont amis là, quand ils font les problèmes, moi, je vais aller faire quoi dedans? Quand ils vont encore ranger demain là, moi, je vais rester ici. Sachez faire la part des choses, parce que quand vous voyez deux amis se battre là, vous allez rester jusqu'au cou. Parce que quand les deux là vont, les choses de la toile là sont comme les poux. Les poux se baladent, le poux vient ici, il est déjà ici. Le poux est déjà ici, le poux est ici. C'est pourquoi moi je ne prends pas tout. Il y a une qui était venue me traiter là, oh, tu ne défends pas ton ami. Je défends, ma page n'est pas pour défendre les choses qui ne sont pas à défendre. Voilà. Là où je suis là, j'attends. Si eux, ils tentent de me clasher, ils vont lire le propre dans le calendrier. Parce que je vais leur faire ça propre. Pas les trucs qu'ils font là. Maman, si eux, ils viennent sur moi là, quelqu'un tente de me clasher, ils vont lire le. Leur sera la place. Parce que je sais clasher. Oui. Je parle normalement et je trouve que Flore a aidé toutes ces femmes-là. Elles doivent être reconnaissantes. Vous comprenez la team? Je ne fais pas le aide-moi à détester. C'est le aide-moi à détester là que ma team, les gens ici ont voulu m'amener avec les choses de Flore et Marthe Chopa. Non. Je les ai montré que moi, je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Je sais voir les choses. Même si les deux se bagarrent là-bas, où est mon problème? Moi, Flore sait se défendre, Marthe sait se défendre. Moi, je vais aller chercher quoi dedans? Pour aller me faire des promos avec Flore, alors qu'elle n'avait rien, pas de promos avec moi. Non, il faut savoir réfléchir. On ne fait pas la guerre pour la guerre. Je ne vais pas aller combattre un combat qui ne va pas m'apporter la paix, alors que je n'avais pas de promos avec quelqu'un. J'avais vu. Ils sont venus m'écrire ici. Oh, Flore en train de clasher. Tu as vu le live de Flore sur ton ami? J'étais là-bas. J'avais suivi tout le live de Flore contre Chopa du début à la fin. Mais j'avais aussi suivi le live de Chopa contre Flore du début jusqu'à la fin. Mais je savais que la réplique allait commencer. Quand elle était sortie, voilà. Donc, les deux femmes se sont répondues. L'autre a attaqué, l'autre a répondu. Et vous aviez voulu que moi, je vienne me parler de ça. En tant que quoi?
Vous avez voulu que je vienne mettre ma boue dans ça, que je me mêle, je vais aller dire quoi à Flore? Oh, Flore, un bon, Flore. Moi aussi, je vais aller dire des choses. Je connais Flore. Je ne vais pas aller inventer les choses sur Flore pour la clasher sur ma page. Elle m'a fait quoi? Et elle m'a fait quoi? Pour que moi, je vienne m'asseoir ici parce que je connais telle et je connais telle, je viens clasher Flore. Il faut être malade mentalement pour agir ainsi. Même Dieu même va me punir. Dieu va me demander que tu insultes Flore. Flore, t'as fait quoi? Hein? Moi, je ne suis pas là, aide-moi à détester. Hein? Si je parle de Flore parce que les gens sont ingrats, c'est l'ingratitude qui m'énerve. Parce que j'ai vu comment Flore a lancé tout le monde là-bas. Oui, oh ma star! Il fallait voir ma fille. Tout le monde était derrière elle pour la visibilité. Elle a fabriqué, elle a décidé de rejeter. Ce sont les rejetés de Flore qui la clashent. Mm-hmm. Ce sont les rejetés de Flore qui la clashent. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce qu'elle ne veut plus fabriquer. Et pour que les gens mangent, il faut qu'ils clashent Flore. C'est ça la monétisation, c'est ça qui fait. Car celle-là, les femmes-là ne parlent pas de Flore. Vous voyez qui là-bas? Elles sont aussi jalouses parce que Flore est avec Jean-Louis Messang. C'est ça qui les chauffe. Comme Flore a fait l'âme avec Jean-Louis Messang. Hey! C'est ça qui les énerve. Déjà, vous aviez vu les Clarisse ici. Vous avez vu les... Moi, je ne suis pas comme ça. Hein? Tu peux être mon ami Clarisse. Tu ne vas pas aller provoquer quelqu'un. Et parce que tu es mon ami, moi, je vais venir clasher la personne. Je vais clasher la personne pour dire quoi? On clash quelqu'un quand quelqu'un t'a fait du mal. Mais moi, je vais aller entrer dans ça. Pourquoi? Les gens étaient ici. Oh, tu as dit ce que Flore fait à ton ami, Martin Chopin. Moi, je vais entrer dans ça. Pourquoi? Je ne suis pas dans ça. J'avais vu le live de ma soeur Chopin. Elle est sortie sur Flore. Quand il y avait affaire Kouetou, Coco Kouetou là. Martin ne fait pas souvent les lives. Moi-même, j'avais vu. Et quand Flore s'est répliqué, vous avez voulu que je m'asseye pour dire quoi? Soyez quand même honnête. Marthe était ici chez moi. Elle m'avait dit que Flore était son amie. Oui, oui, oui. Je ne manque pas. Dieu d'Isaac Manta. Elle m'avait dit que Flore, c'est son amie. Et elle m'avait même dit ici chez moi que Flore ne peut jamais la clasher. Je ne vous manque pas. Elle m'avait dit que Flore, c'est son amie. Que Flore ne peut jamais la clasher. Quelqu'un a fini de me dire ça. Quand je les vois faire ce que j'ai vu là. Et moi, je vais aller mettre ma boue dans ça. Pourquoi? Les gens de Facebook pensent toujours que les gens vont dépendre d'eux. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein? Chacun récolte ce qu'il a semé. Faut récolter ce que tu as semé. Voilà. Moi, je ne suis pas comme ça, la team. Je ne suis même pas dans le aide-moi à détester. Même quand mon enfant fait des erreurs, je vais d'abord demander à mon enfant l'histoire que tu pleures là. Qui a commencé? Donc mon enfant ne va pas aller taper un enfant dehors et l'enfant lui réplique en mal. Voilà, Clarisse Nubi, si tu as compris, non? Voilà, ils ont mis les organes. Clarisse, moi, je n'ai pas vu le truc là comme du vrai. Moi, j'ai vu ça comme du jeu. J'ai vu ça comme un buzz même. Et les gens de ma part sont venus dire « Pourquoi tu ne défends pas ton ami ?» J'ai dit « Non, waouh !» Donc, vous ne savez pas lire les gens. Même quand Flore de Riclaché parlait de Marthe, elle ne mettait pas les organes. Elle riait même. J'étais dans tout son live. J'ai regardé. Elle riait. Elle riait même. Elle faisait ça. Vous ne savez même pas. Quand Flore fait le live visé, Flore n'a jamais fait le live sérieux. Elle rit toujours. Elle riait même. Les deux là s'appellent vieille chouette depuis des années. Depuis là, Flore appelle Marthe Chopin vieille chouette. Chopin appelle Flore vieille chouette. Dans les conneries que vous voyez là. Moi, j'allais mettre ma boue dans ça. Pourquoi? Elles sont venues dire, ton ami, faut la défendre. Moi, je vais aller entrer. Est-ce que c'était un clash? Flore sait se défendre. Comme Marthe Chopin aussi sait se défendre. C'est moi qui allais faire quoi? Moi, j'allais aller me créer les ennemis pour rien. Pour rien, je m'en vais créer les ennemis. Quand Marthe Chopin et Flore seront encore amis là, et puis je vais laisser caler au cou. Faut savoir, avant de prendre les interventions sur les choses, il faut savoir voir. Après
affaire de Fleur de Lys que vous voyez, je sors là, c'est parce que ça a duré. Vous comprenez? Ce n'est plus un buzz, ce n'est plus de la blague. C'est devenu sérieux et beaucoup de gens sont entrés sur ça. Je regarde depuis, non. Je ne vois pas depuis. Mais pourquoi ils ne parlaient pas de ça? Je ne parlais pas de ça parce que j'attendais voir si ça allait vraiment être comme cela. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est pas du jeu. C'est une rancune. Et il y a la rancune dedans. Il y a le tribalisme et il y a les aide-moi à détester. Et il y a la jalousie. C'est ça qui fait quand quelqu'un parle dans le... Maman, tu vas aller tomber AVC. Maman, tu vas aller tomber AVC, laisser ta vie parce que tu veux combattre quelqu'un. Quelqu'un même qui ne fait aucune concurrence avec toi. Les concurrences de Facebook dans la team du Cameroun, c'est comme les chats et les chiens. Quelqu'un, tu ne connais quelqu'un ni d'Adam. Voilà, Carole Cohen. Moi, je sais voir les clashs. Je vous ai dit, quand vous regardez les clashs, la team, moi, j'ai un cœur posé. J'ai mon esprit est calme. Je ne sais pas, j'ai un esprit posé parce que je prie beaucoup. Je suis d'abord quelqu'un qui prie beaucoup. Donc, j'ai un esprit calme, posé. Je suis toujours en contact. Regardez devant ma télé là-bas. Je vous montre. Voilà la parole de Dieu ici. Que j'ai toujours sur mon iPad. J'ai baissé ça parce que je faisais le lap. Parce que je suis quelqu'un. Je suis une femme. Je prie beaucoup. Et quand je suis à la maison, j'écoute beaucoup la parole de Dieu. Vous voyez, je mets toujours ma parole de Dieu sur mon iPad et j'écoute. De temps en temps, je loue, je chante. Donc mon esprit est posé. Avant que je n'agisse sur quelque chose, je ne viens pas pour descendre quelqu'un. Je viens pour dire des choses selon ce que je vois. Parce qu'il faut être des femmes de prière. Il faut avoir. Quand une femme ne prie pas, tu le sens. Pas sa façon même de parler. C'est-à-dire, le démon prend place. Le démon, là, il prend place dans son cœur. Le démon, même s'assoit, c'est le démon qui travaille et ça transpire. Ça sort les yeux parce que les esprits mauvais, là, ils sortent les yeux comme ça, comme des fous. Donc, vous voyez. Donc, moi, je suis comme ça. Quand je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je mets ma parole de Dieu. Je suis assise ici au salon. Je regarde mes trucs tranquillement. Je regarde, j'écoute ma parole de Dieu. J'écoute des prières. C'est comme ça, moi, il fonctionne. J'écris aussi les prières sur ma page, comme vous voyez. C'est comme ça que ma page est. Donc, ma page, là, c'est pas pour venir clasher les gens. Pour venir, oh, les vas-y, tiens, vas-y. Moi, je vais aller dire des choses aux gens. Est-ce que je les connais? Je ne les connais pas. Je connais les degrés de sauvagerie de chaque femme de la toile. Elles ont des langages orduriers. Des langages vraiment... Quand tu entends le langage de certaines mamans, femmes camerounaises, elles se disent qu'elles ont les enfants. Je me demande, c'est quelle ordure ça? Parce que tu ne peux pas insulter avec les choses des femmes. Tu vas dire les langues, les trucs comme ça, là, et tu as des enfants. Moi, je trouve ça des... Ce sont des langages un peu orduriers, quoi. Ce sont des langages qui sont sans sens. Aucune éducation, aucun sens dans la vie. C'est-à-dire, les mamans, elles ont un truc sur les réseaux sociaux, les mères camerounaises, ça ne se respecte pas. Elles ont des langages orduriers, même devant leurs enfants, ils disent du n'importe quoi. Elles ne se soucient même pas que ce que je dis là, est-ce que ces vidéos vont jouer à l'avenir sur mes enfants et que ça va jouer, les amis de mes enfants vont regarder. Ça, c'est même pas leur problème, c'est-à-dire elles ont seulement leur but à faire, c'est de se faire voir sur les réseaux sociaux. La visibilité, mais la visibilité, tes enfants sont là. Quand ta mère te voit aboyer sur une vidéo, c'est pas du jeu. Je trouve que c'est un peu, ça va un peu trop loin, vous comprenez la team. C'est ça. Donc, Fleur de Lys a fait du bien aux gens, mais les gens ne veulent pas aussi être reconnaissants. Les gens, ils se lient, ils font des alliés, les aide-moi à détester. Quand quelqu'un veut gagner la visibilité, il faut qu'il se colle au clash. Comme on clash Fleur là, je me colle. C'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. Quand vous voyez que je suis une place. Une place.
Je mets mes prières quand je me réveille. Maxime me connaît. Quand je me réveille le matin, je mets les prières, je mets les messages, je mets les prières, je mets les petits messages de conseil. Ou encore eux là, les bamoun, c'est les gens qui fétichent. Quand vous voyez Coco Kouetou, c'est une femme, elle dort seulement chez les féticheurs. Depuis que la fille est entrée dans la vie de Fleur de Lille, la vie de Fleur de Lille a chamboulé. Cette fille-là, depuis qu'elle est entrée dans la vie de Fleur de Lille, ça a chamboulé. Parce que les trucs que vous voyez qui s'aggravent là, c'est elle. C'est elle qui a soulevé tout ça. Elle partage ça sur sa page, hein, carrément. Alors qu'elle a des enfants, demain, quand la malédiction va jouer sur ses enfants, elle va dire les sorciers de mon village. Ce n'est pas les sorciers. Chaque personne ne perd que ce qu'il fait. Hein. C'est ce que tu donnes à la vie, là, c'est ça qui va mettre les cœurs là-dessus. C'est ça qui va te revenir. Ah oui, oui, oui. Ce que tu donnes à la vie, là, c'est ça qui va te revenir. Chacun ne reçoit que ce qu'il paye. Ah oui. Tu ne reçois que ce que tu payes, voilà. Nous, on s'en fout. Les gens qui mettent les têtes de tout là, prenez ça, allez foutre ça dans le compte de vos mères. Vous avez compris. Je m'en fous de vous. Les petites pembèches là, vous ne pouvez pas, vous ne me pouvez pas et vous ne pouvez même pas Fleur de Lille. Ce qui est sûr, c'est ça. Quand vous me regardez, même debout sur mes... Vous voyez une femme, je suis une femme jolie même. Toi qui mets les têtes de machin, la seule que vois, tu es comme la vie des décès. Tentez de me clasher, vous allez comprendre. Ma chérie, regarde ma page, j'ai d'abord 540 000 abonnés. Donc, je n'ai pas eu besoin de clash pour avoir 540 000 abonnés. Je n'ai pas clashé sur ma page pour avoir 540 000 abonnés. Mes gens sont venus s'abonner parce que je fais des prières, je fais des conseils et ma team partage. Je n'ai pas eu mes 540 000 abonnés pour avoir les clashs. Non, 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 non. J'ai 540 000 abonnés par rapport à mes abonnés qui partagent mes prières et mes conseils. Je n'ai jamais clashé. Je ne clash pas sur ma page. Dans mes 540 000 abonnés là, toi qui viens dire que je cherche les abonnés, moi j'ai 540 000 abonnés. Et je ne clash pas. Donc c'est pas ça. Ma page n'est pas faite de ça. Les gens s'abonnent sur ma page chaque jour. Chaque jour. Je n'ai pas besoin. Si je veux les abonnés, si je veux les vues, si je veux la visibilité. Si ma page est monétisée, si je veux la visibilité, je clash. Je suis sur les réseaux sociaux, je sais comment faire pour avoir la visibilité. Tu clashes. Il vient dire que je défends Fleur pour avoir la visibilité. Depuis que Fleur est sur les réseaux sociaux, si c'est la visibilité, là, je faisais ça depuis. Je défendais Fleur depuis. Mais pourquoi je ne défends pas Fleur chaque jour? Et depuis, je sors quand je veux sortir. Sinon, ma part, c'est des conseils. Voilà. Je ne me nourris pas des clashs, ma chérie. Tu te nourris des clashs, tu finis d'insulter les gens et tu attends l'argent à la fin du mois. Tu attends l'argent à la fin du mois. C'est que l'argent, tu viens d'abord insulter les gens, mettre les photos des mères, des parents, et tu gagnes la visibilité et tu te dis que tu gagnes l'argent. C'est comme ça que Dieu va les maudire demain. C'est le sale argent. Ils disent que la prostitution, c'est pas bien. Et l'argent des injures, là, l'argent de la monétisation qu'ils ont, là, c'est que l'argent. Moi, ma page a 540 000 abonnés. Oui, mais je ne clash pas. Mes abonnés viennent chaque jour. Je ne clash pas. Non, 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 non. Mais j'ai eu mes 540 000 abonnés. Les gens viennent s'abonner à ma page chaque jour. Je ne clash pas. Je n'ai pas eu besoin de clasher pour avoir mes abonnés. Voilà. Ma page a toujours les prières chaque jour. Quand je me réveille, mes abonnés savent que quand je vais me réveiller là, c'est les prières. Si tu apportes une vidéo, Fleur quitte Facebook. Ah, Fleur ne va jamais quitter Facebook. Hein? Japap. Japap, japap de ça. On dit quoi là-bas? On dit que... Ah, ils n'ont qu'à dire... Vous savez, les gens en commentaire, les bêtes là, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils n'ont qu'à dire. Ils n'ont qu'à raconter, Africa Capella me suit. Ils n'ont qu'à raconter la boubarie là. C'est la vie qui entre en déprime. Vous pensez que Dieu, tout ce que vous faites là, ça va vous rattraper. Le travail là, vous pensez qu'elle s'assoit sur pour descendre les gens sur les,
C'est ça qui t'avantage. Dieu te paie selon ce que tu travailles. Moi, j'ai mes 540 000 abonnés. Je n'ai pas eu besoin de clasher même. Chaque jour, les gens s'abonnent sur ma page. Parce que mes abonnés-là, quand je me réveille seulement, ils sont prêts pour attendre les prières, les conseils, la même, mais souvent les prières. Oui? Non, j'ai pas de ça. Je sais que ce n'est pas à moi. Je sais que ce n'est pas à moi. Donc, voilà. Donc, il y a une qui vient de m'écrire là que je cherche les abonnés. Moi, j'ai déjà 540 000 abonnés. Sans clasher, sans insulter aucun blogueur. Donc, parce que les abonnés, je vous explique la toile. La team, vous voyez pourquoi je ne clash pas. Les clash là sont qu'un. Tu as les abonnés quand tu clashes. Si tu commences ta page avec les clashs et les injures, tu vas lire l'heure. Parce que le jour que tu ne clashes pas, personne ne va venir te regarder. Le jour qu'ils vont laisser de clasher Flore là, vous allez voir qui va les regarder. Personne ne va les regarder. Personne, c'est ça qu'elle vous dit que les clashs ne sont pas. Si tu ouvres ta page pour clasher là, sache que le jour que tu ne clashes pas, tes abonnés vont partir. C'est pourquoi j'ai créé mon concept de prière et de conseils sur ma page. Si tu veux, tu restes, si tu ne veux pas. Mes filles-là, elles savent que quand la mère va se réveiller, elle va mettre les prières. Si tu ouvres ta page pour les clashs, le jour que tu n'as plus de clash, personne ne sera là. Ils vont tous se désabonner. Tout le monde va se désabonner. Donc, tu es obligé de clasher matin, midi, soir. Tu vas porter malédiction. Mettre ça sur tes enfants à cause de visibilité. J'ai commencé ma page avec les prières et voilà ça. Ma page a 540 000 abonnés poussière. Je n'ai pas besoin de clasher pour avoir les abonnés. Et je continue avec ma page comme ça. J'ai donné mon avis. Voilà. Je vous dis que quand vous les voyez accrocher sur Flore de Lille, elles savent que si elles lâchent le nom de Flore, personne ne va les regarder. C'est ça la condition. Quand tu crées une page, tu commences avec les clashs. Le jour que tu ne clashes pas, les abonnés fuient. Les abonnés fuient. Voilà. C'est comme ça, les réseaux sociaux. Elles ont décidé de faire leur page pour clasher. Elles sont obligées de s'agripper. Elles ont regardé à gauche, à droite. Elles ne peuvent pas clasher le Lofoja. Elles n'ont pas de visibilité. Si elles clashent, les pages sans contenu, Martine, voilà ma sissue ici qui me suit. Nous, on est dans les prières, on a des conseils, voilà. Les gens de ma page savent que quand je vais me réveiller, comme moi, je travaille beaucoup, je mets les prières, je mets les conseils, voilà. On rit, je mets les trucs pour rire aussi, pour se moquer des femmes et tout ça, je mets sur ma page pour animer la page. Donc, ma team est déjà habituée qu'il y a tout pour mes abonnés. Il y a les rires, il y a les prières, il y a les conseils. Je mets tout genre là-bas pour blaguer, pour rire, pour tout ça, c'est là-bas. Je ne vais pas ouvrir ma page. C'est pourquoi vous voyez, ma page n'est jamais supprimée. Ma page n'est jamais supprimée parce que Facebook même voit que je ne fais pas ce qui est mauvais. Parce que si tu clashes là, on va te signaler la page chaque jour. Facebook même va te fermer. Mais pour moi là, il ne peut pas. Parce que moi ici là, je fais des prières, je fais des conseils de couple, des conseils de vie. Je mets des publications pour faire rire ma team, pour les faire bavarder, je leur pose des questions. La relation que tu es là, tu vois que ça va aboutir au mariage. Tu vois, elles sont versées là pour rire et pour commenter. Elles se font rire là-bas en commentaire. C'est comme ça, moi, je gère ma page. Quand je vais les faire bavarder, je mets une publication. Elles sont là-bas en commentaire. Moi-même, je ris. Je ris souvent, je lis leurs commentaires. J'ai 90%. Ma team, c'est 90% des femmes. Le reste, c'est les hommes. Oui, elle tombe de vue. Voilà. Flore ne les gère même pas. Il faut les laisser. Elles vont aboyer comme les fous là-bas. Aboyer, aboyer. Oh. Depuis que l'autre aboie, là, depuis des années qu'elle aboie, elle a changé quoi dans sa vie? Les aboiements ne changent plus. Elle pense que les gens aiment encore les aboiements. Aboiement, c'était avant. C'était avant que les gens aboyaient. Quand tu aboyais, les gens étaient là. Mais de nos jours, là, qui est plus les abois? Aboie, 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 tu vas aboyer. Le jour qu'elles ne vont plus aboyer, personne ne va les regarder là-dessus. Martine Koum, je dis souvent, voilà Martine Koum ici. Elle me suit ici chaque jour. Je lui avais dit ici que
Moi, je ne veux pas aller clasher pour chercher la visibilité. Le jour, tu es obligé de clasher tous les jours la team. Quand tu ouvres ta page pour clasher là, mon ami, tu seras obligé de clasher tous les jours que Dieu a créé. Le jour que tu ne clashes pas, personne n'est avec toi. C'est pourquoi j'ai dit, ma page là, je reste comme je suis là. Tu vas aller clasher chaque jour, chaque jour, chaque jour. Elles sont obligées de s'agripper sur Flore. Vous avez déjà vu même les Ivoiriens qui clashent là-bas. Les Ivoiriens se clashent parce que l'autre a répondu à son live. L'autre vient répondre encore, l'autre vient répondre. Mais pour Flore, la Flore ne les répond pas. Mais vous ne voyez pas qu'elles sont en train de parler. Flore ne les répond pas, mais eux, ils sont en train de parler parce qu'ils savent que c'est Flore qui les donne. Le jour qu'elle a fait, regardez Coco Lago. Quand elle était là, fait Flore, là, elle dit, pompe, oh la Coco Gomme, oh lolo, pour le brassard de l'heure. Oh, en somme, aujourd'hui, là, elle a seulement les petits vues. Voilà, parce que les gens étaient là avant à cause de clash. Maintenant qu'elle veut lâcher le clash, les choses ne marchent plus comme elle veut. C'est comme ça Facebook. Mieux tu crées ta page avec. Il y a des pages de prière. Il y a des femmes qui font des conseils, des coachs. Tu vois comment elles ont la visibilité. Visibilité que certaines personnes viennent chercher en clashant là, en insultant les gens là. Ça ne peut pas faire monter ta page. Voilà. Tu vas seulement descendre. Descendre. Tu vas ouvrir 100 pages. Moi, je n'ai pas beaucoup de pages. Hein. J'ai seulement la page ici. Et personne ne me signale. Parce que pour signaler une page, il faut que Facebook voit que tu dénigres les gens, tu fais ce qu'ils n'ont pas là, on va fermer. Pour moi, là, c'est toujours ouvert. Parce que moi, je ne suis pas là pour clasher. Je ne suis pas là pour chercher visibilité en clashant les gens. Si je donne mon avis, hein? Ken Joyce. Là, c'est parce qu'elles ont plus que la même visibilité. Vous non, elles ne connaissent pas Facebook. Hein. Qu'elles viennent nous demander, moi j'ai 13 ans. Facebook, c'est que quand tu clashes là, si je me mets à clasher Flore de Lis tous les jours, vous allez les voir ici, non? Vous allez les voir ici, les visibilités de ça. Le jour que je ne clash plus Flore, je n'aurai même pas envie, même mes petits gens qui écoutent mes prières là, personne ne sera plus là. C'est comme ça Facebook. Donc si elles viennent avec le concept que comme elles sont arrivées là, avec Facebook, oh, on les a, la Coco Gang, oh, celle-là de Flore Foucault, voilà, Coco Gang, c'est devenu Coco Chier maintenant. Tu vois les choses des réseaux sociaux. Quand on l'a dit, ne crée pas ton blog pour clasher les gens, elle pense que c'est du jeu. Elle me voit ici sur ma page, elle pense que moi je ne clash pas parce que je ne veux pas clasher. C'est parce que je sais, quand tu clashes, ils sont là. Mais le jour que tu ne clashes pas, personne ne sera là. Donc, j'ai choisi faire mes trucs comme vous voyez là. Je ne suis pas là pour... Je ne veux pas rester là pour clasher les gens et perdre mes filles. J'ai mes filles ici sur ma page qui attendent les prières, qui attendent les conseils, qui m'écrivent une bosse. Oh, la mère, on va faire ceci. Elles sont... Hein? Moi, ne clash pas, je n'ai pas créé ma page pour clasher. Non. Ça, là, c'est une mauvaise loupe. C'est une mauvaise loupe. Quand je vois les gens parler de visibilité, je dis, visibilité, là, ce n'est pas compliqué. Tu vas avoir la visibilité. Parle de Coco Emilia. Chaque jour, tu auras la visibilité chaque jour. Parle de Nathalie Nkouan. Est-ce que c'est dur? Voilà, elles sont agrippées sur Flore parce qu'elles savent que Flore leur donne la visibilité. C'est comme ça la visibilité des réseaux sociaux. Les gens pensent que nous, on sait comment avoir la visibilité, mais on ne veut pas se lancer dans ça. On ne veut pas se lancer dans quelque chose que toi-même tu vas lire l'heure demain. Voilà. On ne va pas se lancer dans des conneries. La team, je vais vous laisser. Je vais travailler. Ouais, je travaille. Je vais laisser ma prière. Quand elle sort, je laisse souvent ma prière marcher jusqu'à...
C'est comme ça, moi, je fais. Ça marche comme ça jusqu'à ce que je rentre le soir. Je dors comme ça, vous aussi. La team, je vous laisse. Je m'en vais au travail. Je travaille aujourd'hui de 14h à 22h. Vous comprenez?